Voilà Joël, je te laisse la main. Ok, très bien. Je vais commencer à partager. Et bonne session à tous, à tout à l'heure. Merci. Hop. C'est parfait Joël, tout à l'heure. C'est bon? Parfait. Oui, tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci d'être nombreux, donc, puisque la Wild Code School est avec nous à cette session où je vais vous parler de ce qu'on appelle les data flows, qui est un concept de Power BI que certains d'entre vous connaissent plus ou moins. Et donc, je vais essayer de débroussailler ce concept, parler de ce que sont les data flows, quand on doit s'en servir et s'il faut ou pas, les adopter dès maintenant dans nos projets Power BI. Bah, tout d'abord, merci à nos sponsors Wakers et Trees ainsi que tous les autres sponsors sans qui cette conférence n'aurait pas eu lieu. Je vais commencer donc par me présenter. Je m'appelle Joël Crest. Je suis référent data, BI et IA dans une société qui s'appelle Exakis Nellit. Je travaille à l'agence d'Aix-en-Provence. Je suis basé dans le sud. Je suis également MVP Data Platform Microsoft. Et à côté de mes activités professionnelles, j'ai des activités communautaires puisque je fais partie du club Power BI dont j'anime les meet-ups dans le sud de la France avec mon camarade Franck Bernoron. Donc, je vous laisse noter tous les réseaux sociaux, professionnels et les endroits sur Internet où vous pouvez me trouver, mais généralement, une recherche Google sur mon prénom et mon nom vous amènera à mon blog, à mon compte Twitter, à mon compte LinkedIn, etc., etc. Pour commencer à parler des data flows, alors d'habitude, quand je fais cette présentation sur les data flows, je commence toujours par une définition. C'est la démarche classique. Mais là, j'ai voulu changer un petit peu. J'ai voulu vous mettre dans le contexte de quelqu'un qui doit développer des rapports Power BI. Donc, c'est quelque chose que vous connaissez probablement. Et donc, on va voir dans l'architecture classique, quelle est la démarche classique pour développer des rapports Power BI. Généralement, imaginons un développeur. Ressources humaines, donc il va se connecter à des sources RH. Il va bâtir pour ce projet un espace de travail, un workspace dédié RH avec le nom du projet. Il va se connecter aux sources de données et il va bâtir un ou plusieurs datasets RH puisqu'il va avoir besoin quand même d'informations, notamment sur les clients. Bah, il va piocher dans des sources RH plus des sources de données ventes, plus des sources de données CRM, par exemple. Et il va mixer le tout pour faire un rapport. Quelques mois après, son patron lui demande de reprendre certaines des sources de données qu'il a exploitées dans un rapport RH et de faire cette fois-ci un rapport marketing. Il n'a plus besoin des sources RH, par contre, il a encore besoin des sources ventes et CRM et probablement de la table client qu'il a déjà nettoyée dans le précédent rapport. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Soit il va partir sur un nouveau rapport, donc à la limite, il va copier-coller le dataset RH, puis il va le nettoyer pour avoir les mêmes transformations. Soit il va se connecter directement sur le dataset RH partagé et il va créer un nouveau rapport à partir des données qu'il aura déjà dans le dataset RH. Et puis, quelques mois après, on lui demande de faire un rapport commerce avec toujours les mêmes sources de données, mais avec des petites transformations différentes et de la data prep un petit peu différente. Donc, il va se retrouver à devoir jongler. Il aura le choix entre créer un nouveau rapport et un nouveau dataset ou faire évoluer toujours le même dataset qui va grossir, devenir de plus en plus difficile à maintenir et chaque modification de ce dataset sera délicat, puisqu'il y aura de plus en plus de rapports qui seront basés dessus. Donc, l'idée des data flows, c'est de passer d'une organisation orientée projet vers une organisation centrée usage. On va dire que puisqu'on réutilise dans plusieurs rapports des données RH, des données ventes et des données CRM, et qu'on fait toujours la même
préparation de données ou des préparations assez communes. Bah, l'idée, c'est de se dire, on va avoir des entités et de la préparation de données qu'on va isoler de notre partie jeu de données et rapport. Donc, soit dans des workspaces isolés, soit au sein des mêmes workspaces, on va créer ce qu'on appelle des data flows. Donc, bâtir de la data prep dans le service Power BI sur nos données RH, vente et CRM. Et ces data flows, on va les réutiliser comme d'autres sources de données dans nos différents projets. Et donc, on va pouvoir réutiliser sans savoir exactement quelles étaient les étapes de préparation de données qu'on avait mis en place au début. On va pouvoir réutiliser ces data flows. Donc, ça nécessite de repenser un petit peu l'architecture classique de développement Power BI. Donc, à partir de ces exemples, on va partir sur une notion de définition et de caractéristique des data flows. Et on va commencer par lever l'ambiguïté, parce que lorsqu'on parle de data flow, on se dit qu'il y a quand même beaucoup de ressemblances avec des datasets, avec des jeux de données. Comme les jeux de données, un data flow va se connecter à différentes sources de données. C'est de la préparation de données, donc on est dans un module qui est un module Power Query, en ligne certes, mais qui est très très ressemblant au module de Power Query qu'on a sur l'outil Power BI Desktop. Et puis on parle d'entités dans les data flows, mais en gros ce sont des requêtes qui exposent des tables, c'est exactement ce qu'on a dans les datasets. On va faire aussi de l'actualisation planifiée de ces data flows. Et puis, on peut promouvoir ou certifier ces data flows, c'est-à-dire qu'au sein de votre organisation, on va pouvoir dire que ces data flows auront une étiquette, un petit label vert ou bleu, indiquant qu'on peut les utiliser parce qu'ils ont été certifiés par les responsables data, par exemple, de votre entreprise. En revanche, il y a quand même quelques différences. Si on pense dataset, on pense aussi modélisation de données. Une fois que les données sont chargées en mémoire, on peut créer des mesures calculées, on peut faire de l'analyse de données et créer des mesures d'analyse par-dessus le modèle de données qu'on est en train de construire. Dans les data flows, on ne peut pas faire ça. On est uniquement à la partie préparation de données Power Query. On ne peut pas connecter directement un data flow à un rapport. On est obligé de passer par un dataset, de l'intégrer dans un dataset ou de le connecter à un dataset. Et puis, les data flows sont une exclusivité du service. C'est quelque chose, une fonctionnalité qui n'est pas du tout disponible dans Power BI Desktop. Donc, maintenant qu'on a parlé de ce que ne sont pas les data flows, on va essayer de définir une définition des data flows. Les data flows, on peut les penser comme une possibilité de faire de la préparation de données réutilisable. Donc un peu comme dans des briques d'une marque que je ne vais pas citer, mais que tout le monde connaît pour les avoir manipulées dans leur enfance. Donc on va créer on va assembler ces briques pour faire des éléments de base qu'on va devoir et pouvoir réutiliser à volonté dans nos différents projets. Donc c'est une source, on va créer des sources de données élaborées, donc ça va être utilisé comme source des datasets, et on va pouvoir combiner ces data flows à l'envi dans un même dataset et les combiner avec d'autres sources de données de manière basique. L'architecture globale, si on va de la source de données jusqu'au rapport et au tableau de bord, le data flow s'inscrit sur la première partie entre le jeu de données, le dataset et les sources de données. Donc on va faire des combinaisons de ces sources, de faire de la préparation de données. On peut faire des combinaisons de data flow, on peut lier les data flow, faire ce qu'on veut et à partir de ces éléments réutilisables, on peut accéder à ces données dans les datasets. Donc en gros, si on veut définir des data flows, je dirais que c'est un ensemble d'entités qui peuvent être utilisées en tant que source de données pour un dataset. Elles sont actualisées de manière totalement indépendante
et on va le voir tout à l'heure, on va pouvoir les combiner entre elles, voire même intégrer des entités qui sont définies dans d'autres dataflows qui se situent en dehors du workspace de travail. Pour ça, je vais vous montrer, on va passer dans une petite démo. Imaginons que donc, ça soit la première fois que vous travaillez avec, avec les dataflows. Donc, vous avez ce premier rapport que vous avez réalisé qui est basé sur des données qui sont des données classiques. Et puis, votre patron vous dit, bon, voilà, les données, par exemple, produits, là, j'ai des ventes de certains produits, de catégories de produits. Les données de produits, maintenant, elles sont basculées sur une source de données à gros volume et on aimerait réutiliser toute la data prep que tu as fait sur cette partie produit. Donc, il faut sortir cette partie data prep sur les produits du jeu de données actuel. Donc, comment faire si c'est la première fois qu'on n'a jamais manipulé les data flows? Alors, il y a une démarche qui est assez simple. La première démarche à faire, c'est de se dire, on va partir de l'existant. Donc, on va aller dans l'éditeur Power Query, voir dans notre jeu de données quelle est la requête des produits. Et puis, on va faire un simple copier-coller. Donc, clic droit, copier. Et ensuite, je vais aller dans mon service Power BI pour pouvoir intégrer ces data flows. Donc, choc, bascule dans mon service. Et je vais créer un nouveau Dataflow. Donc, hop, je choisis Dataflow. Et je me retrouve dans cette interface-là. La seule différence, c'est que je ne me retrouve pas directement dans Power Query, mais j'ai une première nécessité, c'est de créer ce qu'on appelle donc une table, une première entité. Donc, je vais cliquer sur « Définir de nouvelles entités ». Et là, petite astuce, soit vous voulez créer un nouveau data flow, vous connaissez la source de données, vous n'êtes pas en train de faire du lift and shift de requêtes que vous avez dans un dataset pour les basculer dans un data flow. Donc, en effet, vous allez classiquement sélectionner la source de données et puis vous allez basculer dans Power Query. Soit vous voulez faire du lift and shift, donc récupérer cette requête que j'ai copiée tout à l'heure dans mon dataset. Alors, il y a une petite astuce parce que Power BI ne vous permet pas de rentrer dans la partie Power Query sans avoir créé une première requête ou une première table. Donc, le mieux, c'est de par exemple partir de soit une table vide, soit une requête vide. Donc, on prend une table vide et on clique sur suivant. Et donc, on va arriver dans notre interface Power Query avec une première table vide. Voilà, c'est juste l'astuce pour pouvoir rentrer déjà dans les data flows pour faire du copier-coller. Et donc, je me positionne sur ma zone de requête et je fais CTRL-V pour copier, pour coller ma requête. Et vous allez voir que tout simplement, ma requête et ses dépendances, donc là, j'avais un paramètre du URL source qui existait dans mon dataset, ma requête et ses dépendantes ont été copiés. Donc, tout le texte et toute la requête et toutes les métadonnées existent. La seule chose que je vois, c'est un avertissement m'indiquant que la requête product contient des erreurs. Donc, je vais regarder ma requête product. Et en fait, la seule erreur que je vois, c'est que je n'ai pas encore défini la façon dont je me connecte sur ma source de données. Vous savez que lorsque vous êtes dans Power BI, lorsque vous faites un copier-coller ou lorsque vous publiez un rapport, toute la partie sécurité de connexion aux sources de données, même les sources de données anonymes, n'est jamais stockée ni dans le Power BI Desktop, ni dans le service. Il faut la réindiquer une première fois. Donc là, je vais configurer la connexion. Là, il se trouve que c'est une source de données anonyme, mais si c'était une autre source, tout type d'authentification, je l'aurais fait. Je clique sur OK. Et automatiquement, donc, je peux enregistrer et fermer, j'ai mes données qui sont remontées dans mon dataflow. Donc j'ai un dataflow, j'ai une étape de validation de la requête, le dataflow va exposer cette nouvelle entité, donc j'ai oublié de supprimer ma première table vide, mais ce n'est pas très grave, et je dis que c'est mon dataflow va s'appeler Power 365 Demo
et je vais l'enregistrer. Chose importante, lorsque vous faites un premier dataflow, on vous propose de l'actualiser. C'est nécessaire d'actualiser le dataflow. C'est la petite différence par rapport à un dataset. Un dataset, une fois que vous sortez de Power Query, vous allez faire un fermer et charger les données. Là, dans le dataflow, vous pouvez sortir et par défaut, on n'a pas de chargement de données. Donc, vous avez créé les métadonnées, mais vos métadonnées sont vides. Il faut faire une actualisation pour pouvoir voir ces données et se connecter à ce dataflow à partir d'un dataset. Qu'est-ce que ça donne côté Power BI? Hop, je rebascule sur mon éditeur Power Query. Si je veux me connecter à mon dataflow, bah, je peux créer une nouvelle source. Je vais sélectionner cette fois-ci, hop, dans mes sources Power Platform, Dataflow Power BI. La première fois, il va me demander une authentification. Il ne prend pas systématiquement l'authentification du compte qui est connecté. Vous pouvez vous connecter à des Dataflows sur différentes tenantes Power BI. Donc là, je me suis déjà authentifié et je sais que je vais me connecter à ma table Product qui est ici, que je vois, comme si c'était une autre source de données. Je clique sur OK. Et donc, je pourrais ensuite, donc après, je ferai un copier-coller pour mettre cette requête à la place de la requête product. Et automatiquement, je vais pouvoir donc continuer à travailler sur mon rapport, sauf que cette fois-ci, il pointera sur un dataflow et non pas directement sur la source de données. Hop. On va reprendre le diaporama. Le plus important, ça va être les cas d'usage. Ça va être quand est-ce que je peux utiliser ces dataflows. Parce qu'évidemment, vous avez cette fonctionnalité à dispo, mais il n'est pas question de systématiquement mettre des dataflows partout. Parce qu'il y a parfois, parfois vous n'aurez pas de gain à utiliser les dataflows. Donc le premier cas d'usage, c'est si vous voulez séparer des sources de données. Soit parce que les données sont relativement volumineuses. Donc, vous savez que lorsque vous faites une actualisation de données, un chargement de données sur le Power BI Desktop, vous êtes sur votre poste de travail et les requêtes et l'actualisation peuvent être très très longues. Les dataflows permettent de bénéficier de la puissance de calcul du service Power BI en ligne, sans avoir à patienter et à bloquer les traitements sur votre poste de travail. Donc, lorsque vous avez de la volumétrie, ça peut être intéressant de passer par des dataflows. Même chose si vous avez plusieurs connexions à une même source de données. Je pense à un cas particulier qui est le cas de fichiers, par exemple des fichiers de log, très nombreux qui seraient déposés sur un SharePoint. Lorsque vous allez paralléliser l'accès à ces sources de données, bah, vous allez peut-être atteindre des limites des connecteurs SharePoint. Et donc, c'est peut-être intéressant de découper ces accès à des sources de données dans des data flows différents qui vont être donc qui vont accéder de manière asynchrone aux différentes sources de données, à la même source de données. Et puis, bien sûr, si vos sources de données doivent être rafraîchies à des fréquences différentes, si vous avez des données qui sont des données mensuelles, des données de budgétaires, par exemple, et puis à côté des données de production qui sont mises à jour une fois ou voire même plusieurs fois par jour, si vous travaillez avec un seul dataset, tout va être mis à jour sur le pas le plus fin, donc tous les jours. Si vous travaillez avec des dataflows, vous aurez un dataflow mensuel qui sera rafraîchi mensuellement et puis vous aurez à côté des autres sources de données qui seront mises à jour tous les jours et vous vous connecterez à votre dataset, vous le mettrez à jour tous les jours mais à partir de sources qui n'auront pas à être rafraîchies tous les jours. Donc on utilise le principe de diviser pour mieux régner. Au lieu d'avoir tout dans un seul dataset et de faire un seul refresh très long tous les jours, vous allez avoir plusieurs dataflows et vous allez rafraîchir à des pas séparés les différents dataflows, ou alors au même pas de rafraîchissement, mais en tout cas,
avec des actualisations séparées. Et ensuite, vous vous connectez, vous connectez vos data flows à votre dataset. Autre cas, la réutilisation d'une même table dans plusieurs rapports. C'est le cas typique. On veut centraliser la data prep pour, pour une certaine source, pour ne pas avoir à faire des copier-coller de requêtes dans les différents datasets. Je vais vous demander de couper votre micro. Je pense qu'il y a un petit bruit parasite. C'est bon, Joël, j'ai coupé le micro. C'est bon, super. Donc, il y a une réduction de la redondance du code, bien sûr, puisqu'on ne va pas faire des copier-coller dans les différents datasets et dans les différents rapports du code de data prep de la même source de données. Donc, on évite le cas classique d'une correction sur un rapport, mais qui bien sûr, n'impacte pas les autres rapports. Et donc, il faut corriger sur X rapports notre correction, reporter sur X rapports notre correction. Et puis, on facilite du coup l'accès à une donnée qui est la vraie et unique source de vérité, en quelque sorte. Et on laisse donc au créateur de dataset ou de rapport la charge de bâtir des rapports, de bâtir des interfaces pour les utilisateurs et de bâtir des outils analytiques. Ils n'ont plus à s'embêter avec la partie data prep. Donc, ça se matérialise de cette manière. J'utilise trois rapports, je vais exposer la même entité dans les trois rapports et l'actualisation de cette entité sera déportée dans le service Power BI. Et puis, cas complémentaire, c'est lorsque vous avez une entreprise ou une organisation dans laquelle vous voulez répartir les rôles entre équipes. Donc, vous aurez à ce moment-là, pour les accès aux sources de données des data owners qui vont gérer la sécurité de ces sources de données et vont donner des droits uniquement sur les créateurs de data flow. Vous aurez des data flow owners qui, eux, vont gérer l'accès aux données, la préparation des données et la mise à dispo et le partage de ces données à d'autres personnes. Et puis ensuite, vous aurez les créateurs de rapports. Alors, dataset owner, si vous voulez, vous pouvez même séparer deux niveaux, soit vous avez les créateurs de rapports qui gèrent les datasets et les rapports, et si vous on veut pousser la logique à l'extrême, vous pouvez avoir des dataset owners qui vont garantir qu'un dataset pourra être réutilisé par différents créateurs de rapports. À ce moment-là, on a l'architecture et la répartition la plus stricte possible avec des créateurs de rapports qui vont s'intéresser uniquement au design et à la partie UX UI du rapport. Il y a un certain nombre de fonctionnalités clés, alors certaines sont un petit peu techniques, je vais passer je vais les aborder. L'essentiel c'est que vous sachiez que ces fonctionnalités existent et qu'elles sont réservées au data flow. Une fonctionnalité, c'est d'avoir la possibilité d'avoir des data flows, bien sûr, partagés. C'est le point le plus important des data flows. Leur force, c'est le partage de ces sources de données préparées. Vous pouvez soit les héberger dans les mêmes workspaces qui les consomment, soit avoir une organisation avec des workspaces de type repository dans lequel vous allez déposer des data flows. Ensuite, c'est des rapports et donc des datasets qui vont venir consommer ces data flows dans ces repositories. Il y a quelques contraintes et avantages dans la partie data flow partagée. Côté contraintes, on a un petit peu les mêmes contraintes au niveau des datasets. Le créateur de rapport ou de dataset doit être membre du workspace qui héberge les data flows, enfin du moins doit avoir accès à ces data flows. Il ne peut y avoir qu'un seul propriétaire de data flow, donc toute la configuration, c'est un peu comme les jeux de données, toute la configuration des data flows et de l'actualisation est gérée par le propriétaire. Le seul avantage des data flows par rapport au dataset en termes de gestion et d'actualisation, c'est que l'actualisation des données peut être planifié par les personnes ayant des droits sur le workspace qui héberge le data flow. Ça, c'est une particularité. Si vous êtes plusieurs à être, par exemple, administrateur ou membre du workspace hébergeant un data flow,
vous pouvez accéder et modifier l'actualisation des données. Par contre, vous ne pouvez pas modifier le data flow proprement dit et la partie data prep. Il y a un seul propriétaire à la fois. Vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, la possibilité, comme pour les datasets, d'avoir des petites étiquettes, des petits labels promus ou certifiés permettant de voir lorsqu'on se connecte à un ensemble de data flows pour créer son rapport, de voir en tout premier les data flows certifiés par l'organisation, donc par l'administrateur pour un BI, ou les data flows promus par le créateur du data flow. La promotion est généralement ouverte à tous les créateurs de data flow. La certification est limitée aux administrateurs. En termes techniques, qu'est-ce qu'utilise les data flows en termes d'architecture technique pour communiquer? Il y a un concept qui est utilisé fortement par les data flows, c'est le concept de Common Data Model. En gros, le Common Data Model, ça veut dire que vous avez un ensemble de schémas de données qui sont déjà standardisés, mais qui peuvent être aussi customisés, que vous pouvez utiliser pour intégrer des données venant de différents systèmes applicatifs, ERP, CRM, Dynamics ou autres. Donc en gros, si vous avez une notion de compte ou d'activité dans votre entreprise, bah, les données issues de votre CRM seront déjà formatées sous la forme d'une métadonnée intelligible et compréhensible par les data flows. Et donc, vous allez pouvoir communiquer facilement entre les data flows et vos applicatifs métiers. Il y a bien sûr possibilité de définir vous-même vos propres applicatifs métiers, de les customiser. Donc, de dire, par exemple, sur la partie compte, ben, j'exploite uniquement un certain nombre d'attributs de ces comptes. Donc, vous allez mapper à votre activité uniquement ces attributs-là. Le stockage des data flows se fait la technologie sous-jacente, c'est de l'Azure Data Lake Storage, Gen 2. C'est le stockage par défaut, ça veut dire que vous n'avez pas à souscrire une licence Azure et à souscrire un service Azure Data Lake Storage Gen 2. Du moment que vous avez accès aux data flows, vous avez accès à ce stockage-là. Il est invisible pour les utilisateurs Power BI, mais c'est toujours intéressant de savoir que, de manière sous-jacente, le stockage de ces data flows et du résultat de ces data flows, bah, c'est des simples fichiers CSV, donc des fichiers à plat pour les entités, pour le contenu des entités, et puis un fichier JSON indiquant les métadonnées, la structure de chaque entité. Donc on a dans ce data lake des dossiers, des sous-dossiers, donc des common data model folder, et l'organisation se fait en entité par entité, dossier par dossier, avec des fichiers à plat. Très souvent, vous le savez peut-être, Power BI a différents modes de licensing, et parmi ces modes de licensing, il y a un mode qu'on appelle Power BI Premium, qui est une location d'une capacité donc de puissance de calcul au mois, aujourd'hui, qui est en train d'évoluer, mais qui pour l'instant est une location au mois de puissance de calcul. Et dans cette possibilité de Power BI Premium, les data flows apparaissent de manière étendue. 100% des possibilités offertes par les data flows sont disponibles en Power BI Premium. Très souvent, on fait l'erreur de dire je ne vais pas utiliser les data flows parce que je ne suis pas en Power BI Premium. C'est une erreur. Vous avez accès aux data flows hors Premium. La seule chose, c'est que vous avez accès à des fonctionnalités qui sont en effet un petit peu limitées et restreintes, mais vous pouvez quand même bénéficier de la puissance des data flows hors premium. Alors, qu'est-ce qu'on a qui est exclusivement réservé au premium dans les data flows? Ben, on a les entités liées et les computed entities. On va voir exactement ce que c'est juste après. On a accès à un moteur de calcul amélioré.
Bien sûr, qui dit data prep sur des fichiers qui sont ensuite déposés sous la forme de fichiers à plat, dit nécessité en mémoire de faire, d'avoir de la puissance de calcul. Donc, on a un moteur de calcul amélioré qu'on peut activer. Les requêtes, si on n'est pas en premium, ne sont pas parallélisées. Donc, une entité est traitée, les entités sont traitées l'une après l'autre en termes d'actualisation, alors qu'on est parallélisé quand on est en premium. Et puis, on a accès à des fonctionnalités de data prep et d'appel de fonctions de services cognitifs Azure et d'auto-machine learning. Alors, service cognitif, très rapidement, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est dans la partie data prep, pouvoir avoir accès à de la partie reconnaissance d'image, reconnaissance de texte, extraction de mots-clés, par exemple, sur des textes. Et l'auto-machine learning, ça permet, à partir des données qui sont exposées dans les sources de données, d'entraîner un algorithme de machine learning pour l'optimiser par rapport à ses propres besoins. Donc ça, c'est des fonctionnalités très, très puissantes. Les linked entities et computed entities. Alors, qu'est-ce que c'est que ces linked entities et ces computed entities? Ça demande explication parce que c'est très souvent un petit peu flou parce qu'on pense immédiatement dans la partie Power BI Desktop et Power Query à la partie requête dupliquée, requête référencée quand on parle d'entités liées. On voit tout de suite l'aspect référence. En fait, c'est pas exactement ça, mais ça y ressemble. Les linked entities, bah, c'est des pointeurs vers une entité qui a déjà été créée dans un autre dataflow. Dans quel cas on utilise des linked entities? Bah, typiquement, lorsqu'on veut séparer la partie ingestion de données brutes, donc on stocke les données brutes dans un dataflow, dans une entité, et ensuite dans un autre dataflow qui peut être dans un workspace totalement différent, on va gérer la partie data prep et on va transformer ces données sources en des données préparées pour être utilisées dans Power BI. Il n'y a pas de possibilité de modifier une entité liée. Ça, c'est un point important. On pense que c'est juste comme une référence dans Power Query, sauf que lorsqu'on utilise une linked entities, il y a un gros message qui nous dit on ne peut pas la modifier. On peut l'utiliser, mais pas la modifier. On ne peut pas rajouter de manière brute, en tout cas, des transformations. Il n'y a bien sûr pas de refresh de données. Le refresh de données, il est géré par le dataflow source qui contient l'entité. Côté computed entities, bah, les computed entities, ça regroupe toutes les références à une entité précédemment créée. C'est-à-dire que cette fois-ci, on veut utiliser une entité précédemment créée et pour rajouter des étapes ou pour la fusionner avec une autre entité qu'on est en train de créer. Donc, si on fait référence à une linked entity, ça va passer par une computed entity. C'est la gymnastique mentale la plus difficile à appréhender lorsqu'on manipule des computed entities et des linked entities. C'est de se dire, on a besoin d'une entité qui vient d'ailleurs. Il va falloir la lier pour l'exposer en fait dans notre dataflow et ensuite la référencer pour qu'elle devienne une computed entity, ce qu'on puisse transformer. Le chargement se fait à partir des données, bien sûr, stockées donc toujours dans Data Lake Storage Gen2. Juste pour. Hop, non, avant de passer à la démo. Je me suis loupé dans le timing. Juste avant de passer à la démo, donc d'autres fonctionnalités qui sont accessibles en premium, le moteur de calcul amélioré qu'il faut activer et donc qui permet notamment d'utiliser la puissance de calcul en mémoire des Dataflow et de Power BI Premium. Alors dans la centre d'administration, il y a possibilité donc d'activer ce moteur de calcul de manière globale, de définir une taille du conteneur, c'est-à-dire une taille de calcul dédié en mémoire. Et ensuite, c'est dataset par dataset qu'on va, enfin dataflow par dataflow qu'on va pouvoir utiliser
ce moteur de calcul amélioré. Donc il faut penser à l'activer au niveau de chaque data flow. Et côté stockage, on a la possibilité de, au lieu d'utiliser le Data Lake Storage de base, d'utiliser son propre Data Lake Storage Gen 2, ce qui permet à ce moment-là, si on a des outils tiers qui permettent de produire des données au format CDM folder, comme Azure Data Factory, Databricks, Synapse, etc., ben on a la possibilité de communiquer entre Power BI et les autres outils et services Azure notamment. Donc, une petite démo pour vous montrer à quoi ressemblent des Linked Entities et des Compute Identities. Je vais me remettre dans mon espace démo. Là, j'ai un Dataflow qui est déjà préparé. Et vous voyez que déjà, en termes de look, j'ai des petits pictos totalement différents entre les Linked Entities et les Compute Identities, et puis les entités classiques. Entités classiques, j'ai une petite table. Les Linked Entities, j'ai un petit lien, un petit anneau. Et les Compute Identities, j'ai un petit éclair. Comme autre message important, mon Linked Entities ici me dit juste que j'ai utilisé une table qui était la table calendrier qui venait d'un autre endroit, donc d'une autre data flow qui était stockée ailleurs. J'ai une information lorsque je fais une Linked Entities qui me dit les entités liées peuvent être consultées et modifiées dans leur data flow source et j'ai un lien direct vers ce data flow source. Donc si je veux modifier cette Linked Entities, je clique là-dessus, ça va m'ouvrir à côté, donc ça va me placer dans le workspace source avec le data flow source et là je vais pouvoir faire des modifications. En termes de fusion, si je me mets en modification de la table de l'entité fusionnée, par contre, là, ben, je vais voir que mon entité fusionnée, ici, alors, on est toujours dans un Power Query, je ne sais pas si vous le savez, mais ça va évoluer. Power Query va devenir un outil visuel dans les prochains mois. Ça a été annoncé et les premières modifications se feront dans Power Query Online, donc probablement dans la partie Dataflow. Aujourd'hui, ce n'est pas visuel, donc l'étape qui a fait que j'ai créé ici une requête fusionnée, on la voit ici, c'est du texte, donc c'est une fonction Power Query, mais c'est une nested join. En gros, lorsque je veux faire une jointure entre ma table commande et ma table order details, ici je vais dire ma table commande, je vais faire une fusion de requête comme nouvelle, et il va me proposer de définir la table de jointure, de définir les clés de jointure, et ici vous voyez, il me propose de définir quelle est la jointure en question. Donc je lui dis par exemple que je veux faire une jointure externe gauche, je clique sur OK, et donc il va me générer de nouveau, on le voit ici, une nouvelle Compute Identity, et donc je vais pouvoir continuer à créer autant de données que je veux et transformer autant de données que je veux. Une fois que vous avez fusionné des requêtes, c'est comme dans Power Query, derrière, en dernière colonne, vous avez la seconde table qui apparaît, qu'il faudra étendre les champs de cette seconde table pour pouvoir bénéficier à la fois des champs de la première table et de la fusion avec les champs de la seconde table. C'est la manipulation que j'ai faite très vite ici, mais donc vous voyez apparaître ici les champs de la seconde table. Donc voilà pour les éléments Compute et Linked Entities et pour les fonctionnalités pure Power BI Premium. Donc du coup, maintenant qu'on a qu'on connaît les cas d'usage, qu'on connaît les fonctionnalités clés, on va chercher à choisir, et donc on est à l'heure du choix, est-ce qu'on adopte ou est-ce qu'on n'adopte pas les data flows? Bon, il y a des raisons pour, il y a des raisons contre, et puis il y a des cas particuliers. Donc, les raisons de l'adopter, elles sont quand même relativement nombreuses, c'est lorsque vous avez besoin de réutiliser des entités.
ou de réduire donc du code Power Query. Donc là, typiquement, vous pouvez faire du lift and shift, comme je vous ai dit, et même si vous avez déjà créé des rapports, vous pouvez très simplement, avec quelques opérations et quelques copier-coller, basculer vos rapports et vos tables en entité Dataflow. Il y a une facilité de connexion aux entités pour les créateurs de rapports. Donc, si vous voulez faciliter de la vie de personnes qui vont créer les rapports et que vous voulez qu'elles soient focalisées sur la création de rapports et pas sur les problèmes d'authentification aux sources de données et de gestion de ce type-là, ben, allez vers les Dataflow également. Pareil, si vous avez des sources de données qui vont avoir des fréquences d'actualisation spécifiques et très différentes. La migration entre d'un Dataflow, d'un workspace à un autre ou d'un tenant à un autre est assez facile. Je ne l'ai pas montré dans la démo, mais en fait, vous pouvez exporter et importer vos Dataflows sous la forme de script. Donc, c'est un script, c'est un fichier JSON très simple. Vous n'avez plus qu'à le réimporter dans un autre workspace, par exemple, et vous pouvez faire donc du copier-coller de Dataflow entre workspace, voire même entre tenantes, si vous envisagez dans votre organisation une migration de tenante à tenante. Les freins à l'adoption, vous avez les freins à l'adoption, c'est l'outil Power Query dans le service et la création des Dataflows, qui parfois peut être un petit peu laborieuse. Vous avez besoin d'avoir l'enregistrement du Dataflow, par exemple. Alors, c'est en train d'évoluer, mais tout récemment, c'était encore autorisé uniquement si vous aviez corrigé l'ensemble de toutes les erreurs possibles dans votre data préparation. Donc, s'il reste une erreur, vous allez être bloqué sur l'enregistrement du Dataflow. Et donc, si vous avez passé des heures à faire vos entités, vos requêtes, vous risquez de tout perdre. Donc, ça peut être un petit peu dur de démarrer un Dataflow juste avant de partir chez soi le soir et de devoir rester, de faire des heures sup parce que vous n'arrivez pas à débugger votre data prep. Et puis, il y a une notion de validation avant enregistrement qui est actuellement un petit peu assez longue, même si vous faites des Dataflows très, très simples. Donc, ça peut être un petit peu gênant. Et puis, il y a une notion de gouvernance aussi qui est importante, puisque une seule personne à la fois peut être owner du Dataflow. C'est assez difficile de basculer d'une personne à l'autre et ça demande un petit peu de préparation et d'organisation. Autre frein qui peut être important si vous travaillez avec différents clients, du moins avec différents tenantes, c'est-à-dire différents espaces Power BI chez différents clients ou différentes organisations. Lorsque vous vous connectez dans Power BI Desktop à votre Dataflow pour récupérer les données, le changement de tenante nécessite d'effacer les informations d'authentification. Si vous êtes authentifié avec votre compte Power BI, vous arriverez aux Dataflows qui sont dans le tenant de votre organisation. Si vous voulez basculer sur le tenant d'une autre organisation sur laquelle vous avez des droits, il faudra tout effacer et il faudra vous réauthentifier. Donc, vous ne pouvez pas faire du multi-tenante à ce niveau-là. Et puis, il est impossible de se connecter au Dataflow donc d'un tenante autre que votre tenante principale. Du moins, ça va être très difficile et toute cette partie-là nécessite des améliorations et on espère qu'il y aura des améliorations dans le futur dans les prochaines versions des Dataflows. Pour finir, quelques bonnes pratiques. Premièrement, activez le moteur de calcul amélioré, donc si vous êtes en Power BI Premium. Utilisez les Linked Entities et n'hésitez pas à séparer la partie ingestion de données de la partie transformation. Donc, vous créez des Dataflows qui vont créer ce qu'on appelle en quelque sorte des tables de staging, des tables de stockage intermédiaires. Donc, vous remontez vos données de manière brute dans le service Power BI pour pouvoir les manipuler. Donc au moins, vous laissez tranquille vos sources de données, en particulier votre système d'information et vos systèmes de production. Et ensuite, vous gérez votre data prep dans le service uniquement. Et puis, cas d'école que j'ai rencontré, qui là aussi peut s'améliorer dans le futur, si vous avez des données, des logs par exemple, qui sont hébergés dans du SharePoint,
Sachez qu'il y a une limite aux alentours de 20 fichiers accédés en parallèle par la même source. Donc vous risquez d'avoir une certaine limite. Donc si vous avez accès au même, si vous avez plusieurs requêtes qui fonctionnent en parallèle, essayez de découper en fait vos data flows et de créer plusieurs entités dans des data flows différents pour accéder à ces sources de données. Voilà, je vous ai mis dans les slides qui seront partagés dans cette présentation ce lien sur les bonnes pratiques du service des data flows dans le service. Voilà, Microsoft fait évoluer le service très fréquemment et beaucoup en ce moment, justement avec l'arrivée du mode visuel. Donc, je pense que j'aurai l'occasion de dérouler prochainement une session sur l'arrivée du mode visuel. Donc, si vous avez aimé cette session, je vous invite à participer à la future session dans d'autres conférences pour voir les nouveautés des data flows.